Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cet amendement ainsi que tous ceux qui vont suivre ont un but, reconnaître l'indépendance des avocats et des professions libérales. La question de l'avenir des caisses autonomes reste l'une des grandes inconnues de ce texte et nous en avons eu encore la démonstration ce matin avec l'amendement de notre collègue Agnès Firmin-Lebaudeau qui a été rejeté seulement par 2 voix, ce qui prouve qu'il y a un véritable sujet sur cette question. Monsieur le ministre, j'ai bien écouté la réponse que vous lui avez apportée tout à l'heure, mais malheureusement, elle était lacunaire. Les caisses décideront de l'affectation de ces réserves, c'est ce que vous avez dit. Mais alors, quelles en sont les garanties? Et rien n'est prévu dans le texte. C'est la raison pour laquelle cet amendement, ainsi que ceux qui vont suivre, ont pour but de garantir et de préserver l'indépendance des professions libérales, et particulièrement des avocats.